しい遊びを次々と提案している任天堂64。そしてそれは任天堂64ディスクドライブ、すなわち 64DD の登場でさらに深く面白くなる。自分でゲームを作っていく楽しさを味わえる 64DD。 ここではマリオアーティストシリーズの3つのソフトを紹介しよう。Au niveau de mes wheels. Ah oui, tiens. Il va falloir que je règle ce problème. Je ne sais pas pourquoi il doit me manquer des. Faites voir. Alors oui, il me manque des wheels. Bon, c'est pas très grave, mais il va falloir que je règle ça. Donc, si on prend. Alors, il y a bien sûr Super Mario 64 hein, qui marche très bien. Mais ça va être un peu long à lancer. Si je sais lequel je voulais vous montrer, qui était tiré d'un jeu d'arcade. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces problèmes de wheels. Il faut que je regarde ça. Alors, comment il s'appelle déjà? C'était un jeu de bagnole. Voilà. C'était le Cruisin' USA, par exemple. Donc, on va le lancer juste que vous voyez ce que ça donne. Oui, ok. On est ok. Un peu de son. Allez, hop. On va rester en automatique. On va prendre la Ferrari. Parce que je peux pas m'en acheter une en vrai. Alors, faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein, graphiquement, c'était quand même au-dessus d'une Play. Là, c'est pour accélérer. Ah, ok, voilà. Et franchement, voilà, graphiquement, on trouvait ça super, quoi. Et vous voyez, ça tourne plutôt très bien. Après, c'est moi qui ne sais pas très bien jouer à ce jeu. Mais il n'y a pas de ralentissement, voilà. Ça fonctionne bien. Oula, c'est moi qui ai un peu des problèmes avec mes virages. Ah mais oui, je peux jouer avec la manette classique. Ok, je les peux arriver. On va éviter de se prendre le camion. Bon, vous voyez, ça tourne plutôt bien. C'est juste moi qui ne sais pas conduire. Hop là, allez, on va quitter. C'était pour vous montrer. On va en lancer un autre pour le fun. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait lancer juste pour voir? Bon, je vous mets pas le James Bond parce que l'intro, tout ça, c'est un peu long. Bon, c'est pas très long, mais bon. Surtout que je suis très mauvais, pour pas vous mentir. Si je voulais mettre le. Bah attendez, j'ai dû le passer. Mario Kart 64. Bon, il faut que je règle le problème quand même de wheel. Hop là. Mario Grand Prix. Allez. Hop là, vous voyez, ça tourne plutôt bien aussi.
plus comment on lance les items. Non. Ah là, c'était pour sauter, oui, ça me revient. On pouvait faire des petits travers. Non, mais c'est moi qui cherche comment on... Ah ok, ça y est. C'est la gâchette. Hop là. Hop là. Ah mais je l'ai raté lui. Mais vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai pas pris le circuit. Par contre, je me fais bien rattraper comme il faut. Ah mince, je les ai tous pris déjà. Bon, je suis mauvais, je suis sixième. Ok, allez, on va en rester là, parce que l'intérêt, c'est quand même de vous montrer comment on fait fonctionner tout ça, et pas comment je joue mal à Mario Kart. Alors, hop, on va quitter. Ok, donc, pour émuler la Nintendo 64 sur la Shield TV, il existe plusieurs émulateurs, mais moi, celui que je vous conseille fortement, c'est celui-ci. Il est gratuit, vous le trouvez sur le Play Store, il vous suffit d'aller le chercher. Vous tapez N64 plus FZ, c'est Furzia, je ne sais plus quoi, édition. Et franchement, il marche plutôt bien. Donc on va le lancer. Quand vous l'ouvrez une première fois, il vous demandera de donner des droits. Vous faites oui. Et là, on va aller cliquer ici. En termes de paramètres, c'est simple. Il n'y a rien de spécial à faire. C'est-à-dire que tout est paramétré. La manette, il va la trouver d'office. Il n'y a rien de spécial à faire, si ce n'est... aller chercher les ROM qu'on va voir, on va voir tous ensemble. On va quand même aller jeter un coup d'œil dans les paramètres. Donc il y a la bibliothèque. La bibliothèque, c'est les jeux auxquels on a joué récemment. Et aussi, on va aller lui donner le chemin des ROM, mais ça, c'est ailleurs. Ensuite, vous avez dans l'affichage la possibilité de prendre une résolution plus élevée que celle d'origine. Je pense que là, je suis déjà sur une résolution plus élevée, ou peut-être pas. Vous pouvez monter jusqu'à cette résolution-là. Je ne l'ai pas essayé, peut-être que ça tourne moins bien. Le zoom, bon, ça c'est la mise à l'échelle originale, donc ça c'est pour rester en 4 tiers. Vous pouvez passer en 16 neuvièmes ou faire sur tout l'écran, mais après ça déforme l'image. Orientation de l'écran, ça c'est pour la télé, on est en paysage, hein, sinon ça c'est pensé pour les téléphones portables, je pense. On peut afficher les images par seconde en mettant voilà, en haut à gauche, en haut au centre, en haut à droite, en bas à gauche, en bas au centre, en bas à droite, j'imagine. Voilà. Et pour le reste, je ne voudrais pas vous dire des bêtises, je n'ai touché à rien, j'ai laissé comme c'était paramétré d'origine. Au niveau de l'audio, je n'ai pas été voir, je pense qu'on va pouvoir faire des petites choses, peut-être non, c'est pareil, c'est du réglage, là je n'ai touché à rien du tout. Au niveau des contrôles, ce qui nous intéresse, donc, on va voir, c'est pas ici d'ailleurs, je vous dis des bêtises, c'est dans les profils, voilà, dans les profils ici, vous allez pouvoir sélectionner des profils, donc vous avez... Le profil 1, c'est la manette 1 Android Gamepad, mais je pense qu'on peut lui dire... Non, voilà, il n'y a pas... Alors, voyez, on peut trouver certaines manettes, notamment on peut brancher des manettes N64 avec un adaptateur USB. On voit aussi la manette Xbox. Sinon, c'est la manette Android Gamepad. C'est celle que moi, je dis, c'est celle de la Chine, mais elle est reconnue comme ça. Et vous pouvez très bien aller donner des profils pour la manette 2, manette 3, manette 4, pour pouvoir jouer à 4 joueurs. Voilà, ça marche très bien, j'ai essayé déjà. Voilà, définir la manette de chaque joueur, vous allez ici et vous allez voir que joueur 1, voilà, hop, j'appuie et c'est cette manette-là. Le joueur 2, il fait la même chose avec sa manette, le joueur 3 et le joueur 4 et ça marche très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça, c'est pour la manette. Voilà, profil de manette, je pense qu'on peut changer les touches. Android Gamepad, ça doit être possible de le faire quelque part. Donc ça, c'est pour copier des profils. Je pense qu'on peut réaffecter les touches, j'ai jamais essayé. Contrôle, peut-être. Voilà, mappable, bouton de volume assignable, non. Menu key, non, j'ai pas l'impression. Bon, dans tous les cas, c'est quand même assez. Ça se rapproche de ce que vous aviez sur la manette de la N64, même si elle était un petit peu particulière. Et ça fonctionne plutôt bien.
Donc ensuite, ce que j'aimerais voir, c'est comment je peux aller chercher les ROM. Voilà, vous allez donc voilà, sélectionner un fichier de ROM. Alors, on va revenir. Vous allez dans Rafraîchir les ROM. Vous allez dans Start File Picker, ici, là, que vous voyez. Et on va lui donner le chemin. Donc, moi, c'est sur mon disque dur. Donc, les ROM, on va aller les chercher. Vous allez voir, elles sont ici. Hyperspin, émulateur. Nintendo 64. Et voici les ROM. Donc, voyez le format des ROM. Vous allez avoir deux formats qui fonctionnent. Il faut qu'elles soient soit en .N64 ou en Z64. Les deux sont acceptés par l'émulateur. Je pense même que le .zip est accepté, mais je ne suis pas sûr. Pour trouver les ROM, comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous mettre de lien, mais vous allez sur Google, vous tapez ROM N64 ou Nintendo 64 et vous allez trouver votre bonheur. Vous les téléchargez, vous les mettez dans un dossier que vous allez mettre encore une fois soit sur votre clé USB ou un disque dur externe que vous branchez sur la Shield ou directement sur la mémoire interne de la Shield, peu importe, et vous donnez le chemin comme je viens de donner là. Vous allez ici et il ne vous reste plus qu'à sélectionner le jeu. Moi tout à l'heure on est passé par Hyperspin, mais là je vous montre quand vous passez en direct. Donc admettons International Superstar Soccer justement. Voilà, on va le lancer pour voir. Ah, attendez, il ne me l'a pas lancé. Ah, mais non, en fait, il m'a mis la liste, excusez-moi. J'ai donné le chemin du dossier, je fais OK, et normalement, voilà, il va vous installer sur l'émulateur directement, il va vous faire apparaître tous les jeux. Donc, ça prend un petit peu de temps, on va le laisser faire. Voilà, parce que là, je lui ai donné le chemin, en fait, donc du dossier où se trouvent les ROM. Et franchement, vous allez voir, il marche plutôt bien. Alors, après, je ne suis pas un grand, grand spécialiste de la N64, hein, comme j'en ai pas eu. Je ne pourrais pas vraiment comparer et dire, ah ben oui, je me rappelle ce jeu, non, il tourne pas exactement pareil. Mais voilà, de ce que je vois, ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, Paper Mario, je l'avais mis, mais je suis, par exemple, celui-là ne marchait pas très bien. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet émulateur, il est très suivi, il y a souvent des mises à jour, hein, donc, enfin souvent. Il est encore mis à jour en tout cas. Donc vraiment, je vous encourage à prendre cet émulateur et prendre la dernière version que vous trouvez sur le Play Store. Vous voyez, là, il télécharge carrément les pochettes. Donc là, pour le coup, il est quand même bien assez complet. Je ne sais pas s'il va toutes les trouver, mais en tout cas, il en trouve. Comme j'utilise mon Hyperspin pour lancer les jeux, c'est vrai que j'avais jamais paramétré l'émulateur. Voilà, j'avais jamais donné le chemin vers le dossier des ROM, puisque c'est Hyperspin qui le fait pour moi habituellement. Et vous voyez, c'est quand même pas mal. On a tous les jeux qui apparaissent. Alors si je fais ça, peut-être voilà. Et là, on a tous les jeux sous forme de. Alors, si on retoque MHJ, il est où mon ISS? International Superstar Soccer 64. Et on fait Start. Donc là, franchement, c'est pas mal. Pour ça, la Shield, elle est quand même vraiment pas mal. Hein. Pour le rétro gaming. Même si on ne peut pas tout avoir, vous allez voir qu'on peut émuler beaucoup beaucoup de choses. J'ai pas fini de vous embêter avec mes vidéos. Voilà, petit glitch audio un peu, on dirait quand même. Je ne sais pas s'il est très bien émulé celui-là. Bon, c'est la version anglaise, j'aurais peut-être mettre la version française. Un match amical, je pense que voilà. On va prendre la France et France-Angleterre. C'est juste pour vous montrer vite fait. Euro Center Stadium. Alors, on a qui? Alors, c'est des vieux Thierry Henry, je pense. Ouais, c'est des vieux noms. Hein. Dubois, Dupont, Leroux. Alors, on n'avait pas les vrais noms de joueurs, mais c'est pas grave, n'empêche que. Ah bah lui alors carrément il fait des petits changements déjà. Allez game start. Bon, je sais plus comment on y jouait, je vous préviens, ça va faire. Je pense que je vais être très mauvais.
Oula. Je ne sais plus comment on tire. Ça, c'est l'ancêtre de PES, hein. Allez, gardien. Apparemment, le tir, c'est ça. Hein? Ah non. Oh là là. Bon, voilà, j'ai fait un gros fail, évidemment. Après, bon, il fonctionne bien. Hein? Ah, il suffit que je dise ça. Ah non. Ah, je pensais qu'il était parti du bon côté. Je crois que je peux sélectionner le joueur comme ça. Oui, c'est ça. En fait, ça fait penser quand même aux touches de... Ah non, pardon. Ah. Un petit corner. Allez. Alors, je ne sais pas si c'est le A ou le B pour tirer le corner. Je ne sais pas ce qu'il faut tirer. Ah non, c'est le A alors. Non, c'était pas ça. Bon, il faudrait que je retrouve les touches, mais vous voyez, ça fonctionne. Voilà. Donc, hop, on va faire un quitté, pardon. Donc voilà comment tout simplement jouer à la Nintendo 64 sur la Shield TV. Donc vous utilisez cet émulateur et vous allez pouvoir redécouvrir plein plein de petits hits sympas sur cette console. Voilà, je vous remercie encore à tous de suivre mes vidéos et on se retrouve la prochaine vidéo. On parlera, pour rester chez Nintendo, de la GameCube et de la Wii avec l'émulateur Dolphin. Et puis ensuite, je pense qu'on passera du côté de chez Sega. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt, certainement demain, pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.